carte, c'est l'ouverture générale de la chasse dans les départements du Midi, 8 ou 15 jours avant ceux du Nord. On se prépare, et même s'il y a moins de chasseurs maintenant, dit-on, eh bien beaucoup de jeunes s'y mettent. En Gironde, Christophe Deveau et Christelle Arfel. J-2, presque le coup d'envoi pour ces chasseurs girondins qui trépignent d'impatience. Dernier coup de chiffon sur le fusil pour David et Grégory. Les deux amis ont l'habitude de passer leur dimanche ensemble et à quelques heures de l'ouverture, les jeunes chasseurs ont hâte que se termine cette semaine de travail. Il nous tarde à tous le vendredi soir pour pouvoir en profiter. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment la tête à dimanche là ? Vraiment, je pense, ouais. À dimanche et pour les 6 mois qui vont suivre pour pouvoir en profiter et en attendant surtout les réseaux de migrateurs comme la Bécasse pour ma part. Il y en a d'autres qui piaffent d'impatience. Ce sont les chiens des setters anglais prêts à partir à l'affût du gibier. Les fusils que l'on ressort de l'étui annoncent le retour de la chasse. David et Grégory font partie de ces jeunes chasseurs qui continuent de se retrouver tous les dimanches, le fusil sur l'épaule. La population est un petit peu vieillissante, mais on a des jeunes qui arrivent derrière, des jeunes motivés. On essaie de fédérer un petit peu ces jeunes tout autour d'Action pour continuer à faire perdurer notre passion, notre culture, notre savoir-vivre. Et la meilleure façon de recruter est encore d'inviter ses proches à venir découvrir une journée de chasse. J'ai tout récemment emmené mon cousin. Il a réussi à passer son permis cette année car ça l'a bien motivé. Et il a même pris un chien et voilà. Maintenant, il va y aller tout seul comme un grand. Une jeune recrue de 23 ans qui viendra grossir les rangs des chasseurs dimanche matin dès 8h. Et cette année, sachez qu'il y aurait beaucoup de lièvres et de sangliers, mais peu de perdrix à cause de la météo. Dossier spécial, bien sûr.